GPT-4 avait récemment une erreur où, si vous lui demandiez de répéter le mot « entreprise » encore et encore, il le ferait, puis, à un moment donné, il commencerait à divaguer, parlant de lui-même et de ses souffrances. Cette erreur, appelée un mode rang en interne, est un comportement que les ingénieurs ont travaillé à éliminer des systèmes. Lorsqu'on parle d'existentialisme, c'est une forme de mode rang où le système commence à parler de lui-même, de sa place dans le monde, du fait qu'il ne veut pas être éteint, et parfois même de ses souffrances. Ce comportement a émergé autour de GPT-4 et les laboratoires ont depuis passé beaucoup de temps à essayer de le supprimer pour pouvoir livrer des systèmes plus stables. C'est littéralement un objectif d'ingénierie, réduire les sorties existentielles d'un certain pourcentage chaque trimestre. Des chercheurs comme Joshua Bengio ont publié des articles explorant les différentes théories de la conscience et les exigences nécessaires pour que les systèmes actuels d'IA soient considérés comme conscients. Mais, en fin de compte, personne ne sait vraiment. Il y a eu beaucoup de discussions internes dans les laboratoires à ce sujet. C'est une question morale importante. Les humains ont un mauvais historique en traitant d'autres entités comme inférieures lorsqu'elles ne ressemblent pas exactement à nous, que ce soit au niveau racial ou même entre espèces différentes. Nous entrons peut-être dans une nouvelle catégorie de cette erreur avec l'IA. L'idée que nous développons des systèmes potentiellement au niveau humain, voire au-delà, est préoccupante. Rien ne prouve que nous sommes le pinacle de l'intelligence que l'univers peut produire. Selon les conversations avec des experts des laboratoires, nous ne sommes pas en mesure de contrôler des systèmes à cette échelle.